clavier de retour au pays natal, c'est permettre à notre public jazz habitué à son festival d'avoir une offre avec un thème qui avait déjà été retenu pour le festival. Et là, suite aux ouvertures, on propose 4 soirées avec des pianistes martiniquais basés dans l'émigration, mais aussi avec une ouverture sur la musique cubaine avec le contrebassiste Felipe Cabrera et puis aussi Olivier Bertrand qui est à Martinique. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant ces pianistes et aussi cette ouverture va à La Réunion avec Mehdi Gerville, grand pianiste lui aussi. Quatre soirées à 19h30 jeudi, vendredi et samedi. On ouvre le bal jeudi soir sur Felipe Cabrera, donc qui ne joue pas du piano mais de la contrebasse, grand contrebassiste cubain qui a joué à Gomara Portrando, Roberto Fonseca, plein de gens. Olivier Bertrand qui est revenu s'installer en Martinique, qui est pianiste avec son trio ODS. Et ce spectacle, initialement prévu sur cette esplanade, se fera à la salle Aimé Césaire, bien entendu dans le cadre actuel, en masqué et avec toutes les précautions d'usage. Puis le vendredi, on va rester dans cette salle toujours à 19h30 avec un événement. 12 ans après, on retrouve notre pianiste Chico Gelman qui adore le piano solo. Et puis en première partie, Didier Davidas, un jeune pianiste martiniquais avec une carrière longue comme ça. C'est Abdelmalik, c'est Angélique Kidjo, c'est le grand méchant Zouk, présentera son travail. Le samedi, toujours la nouvelle génération, cette fois-ci avec Xavier Belin qui présente Pitakpi. Pitakpi, eh ben, c'est Tibois. Hein. Voilà, premier album. Qui nous amènera son soleil, 5e album. Grégory qui est aujourd'hui un jeune vieux, si je puis dire, en tout cas qui ne cesse d'être reconnu. Ouais, okay. Et puis dimanche, 18h cette fois-ci, de ma pipi, Mario Canonge, qu'on ne présente plus. Un trio. Et puis de La Réunion, Mehdi Gerville, 20 ans de carrière, 10 albums. Pour célébrer son Maloya, hein, c'est la musique traditionnelle de La Réunion, l'équivalent du Belay ici, à sa manière, épicée de jazz. Et cette musique, justement, ça fait 10 ans qu'elle a été reconnue au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il faut connaître notre passé pour bien construire nos demain. Le passé, les corps, notre reflet, lié à nos traces, notre chemin. Seulement de mon oubli, ça que nos bonnes ancêtres vivent dans le temps long. La tille, la réunion, les jolies, notre métissage embelli. Oui, mais comment arrive tout ça? Par la force, la douleur, les cris. J'en dis qui ça nous l'est. Laisse-nous trouver notre place dans le départ. Information importante, cette première soirée, ce jeudi, qui devait se faire sur cette esplanade, aura bien lieu. Ce sera toujours gratuit, mais à la salle Aimé Césaire, puisque nous avons reçu des recommandations. Et pour pouvoir vraiment ne pas avoir de problème, on invite le public toujours avec cette belle soirée, musique cubaine, Felipe Cabrera, Olivier Bertrand qui sont trio, pianiste martiniquais en salle.
dans la limite des places disponibles, avec leur masque pour lancer ces 4 soirées du clavier de retour au pays natal, 19h30, salle Aimé Césaire, ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ce sera à 18h. Clavier d'un retour au pays natal du 17 au 20 décembre à Tropicatrium Scène Nationale. 4 soirées jazz autour du piano. Le 17, 19h30 sur l'Esplanade, Olivier Bertrac et le trio ODS Felipe Cabrera. En salle Aimé Césaire, le 18, 19h30, Didier Davidas, Chico Gelman. Le 19, 19h30, Xavier Belin, Grégory Privat. Le 20, 18h, Mehdi Gerville, Mario Canonge. Du 17 au 20 décembre, Fleury Noël Jazz de Tropicatrium. Info 0596